Bienvenue au Rallye Dumball, l'ultime aventure routière intercontinentale. Plus de 130 automobilistes déjantés. Préparez-vous, mesdames, on va rugir! Prennent des voitures qui ont connu des jours meilleurs. Si on a de la chance, les pneus auront encore de la gomme. Et conduisent le plus loin possible en une semaine. On a tenté de rentrer chez nous, mais on n'a pas d'argent pour l'essence. On fait au moins un plein par jour. Pour récolter des fonds pour la Fondation contre le cancer. C'est pour une cause formidable. Chaque équipe choisit un vieux taco, le tune, et roule jusqu'un endroit lointain. Je déclare Odessa prête pour le Dumball. En 10 ans d'existence, le Rallye Dumball a parcouru plus de 18 500 km. Les participants ont conquis l'Europe. On va à Budapest aujourd'hui. La Russie. Fichu vache. Et l'Inde. C'est comme conduire en Sicile, à Istanbul et au Kosovo en même temps. Ils font régner le chaos partout où ils vont. Et aujourd'hui, nous revenons sur les moments les plus déjantés des 10 ans du rallye. Bienvenue dans Dumball, Dumbest of the Dumb. Ce n'est pas qu'une épreuve d'endurance, c'est aussi une compétition. Pas pour franchir la ligne d'arrivée en premier, ce serait beaucoup trop prévisible. Mais pour relever une série de défis stupides lancés chaque jour en chemin. À la fin de l'aventure, l'équipe avec le plus de points remporte une coupe très vénérée. Jetons un œil aux missions déjantées confiées aux conducteurs.